Ce jeudi 26 octobre, l'émission Touche pas à mon poste a été perturbée par un incident technique qui n'a pas manqué de surprendre les internautes, qui sont restés dans l'incompréhension la plus totale l'espace de quelques instants. La suite après la publicité ce jeudi 26 octobre 2023, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste étaient en train de débattre sur l'affaire Stéphane Plaza, qui est accusé de violence conjugale, avant que Cyril Hanouna n'annonce le prochain thème, à savoir des révélations du journaliste Michel Méry sur la disparition du petit Émile, le meurtre de Justine Vérac et la mort d'un bébé de 3 mois tué par balle. On va revenir sur 3 affaires. A annoncé le papa de Lino, avant que l'écran ne devienne tout noir, et que le son ne soit coupé. Un bug suivi 2 secondes plus tard d'une image surprenante, où on aperçoit une personne âgée en train de tenir une cigarette. Il s'agit en réalité d'une photo tirée d'une publicité anti-tabac qui passe régulièrement à la télévision, notamment sur la chaîne Vous l'aurez compris. L'émission a été marquée par un incident technique. Ce qui est plutôt rare, et ce qui explique donc l'étonnement des téléspectateurs. C'était quoi ce bug? Il y a eu un bug là pendant 5 secondes un mec qui tenait une cigarette. Il y a eu un bug. Bizarre. Et maintenant ce n'est-ce plus en direct? Je suis la seule à avoir remarqué ce bug bizarre sur C8 là. C'était qui le vieux avec sa clope? Vous l'avez eu aussi le bug avec l'image du mec et sa clope? C'est-ce quoi cette coupure pub de 2 secondes? Ont réagi certains internautes sur X, anciennement Twitter. L'émission aura finalement repris son cours au bout de quelques instants, comme si de rien n'était. Le papa de Lino et ses camarades ne se sont visiblement pas rendus compte de cet incident. Un bug d'une gravité moindre, car l'émission a déjà connu pire. En effet, un soir de mars 2022, C8 avait dû diffuser des rediffusions de l'émission pendant plus d'une heure à la suite d'un problème technique. Suite à un problème technique, nous ne pouvons pas prendre le direct dans le 6 à 7. Toutes nos excuses, on se retrouve dans un instant avec Cyril Hanouna pour TPMP, pouvait-on lire sur X. En lieu et place du 6 à 7, c'était donc des rediffusions de TPMP qui étaient proposées aux téléspectateurs. C8 avait également diffusé à l'antenne un bandeau déroulant annonçant à ses fidèles le problème technique frappant son antenne. La suite après la publicité.